Okay, alors bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ce beau, magnifique vendredi. On annonce une très belle fin de semaine. Première chose, vérifions le son. Je crois que ça a l'air bon. Si vous pouvez me dire, ceux qui sont en ligne, si vous m'entendez bien. Donc, pour éviter le problème que j'ai à chaque fois, je vais attendre vos réponses. Je pense que c'est bon. 26 personnes, soit que personne m'écoute ou non, excellent. Oh, super, merci Eric. Donc, ce que je disais, oui, annonce très beau en fin de semaine. De mon côté, ça sent bien sûr le vélo de montagne. Je pense que ça va être magnifique. En fait, la semaine passée, en fait, on a fait du vélo de montagne. C'était une magnifique fin de semaine pour le vélo de montagne aussi la fin de semaine passée. Et on va reprendre ça ce week-end. Donc, demain au Mont-Saint-Anne et dimanche, on va sûrement aller faire un tour du côté des sentiers du Moulin, qu'on a découvert la semaine passée, qu'on a vraiment adoré. Donc, rappel, peut-être pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Merci Frédéric aussi pour ta réponse. Donc, bienvenue Frédéric. Je ne sais pas si c'était la première fois que tu viens, mais c'est la première fois que je te vois interagir avec le chat. Donc, bienvenue. Frédéric qui est un copain d'un autre monde. Je sais que Frédéric est en informatique aussi, mais on se rencontre aussi dans le monde du jeu de société. Donc ce que je disais, la deuxième, Frédéric, parfait.
Donc, rappel, en fait, pour ceux qui se joignent à nous aujourd'hui pour la première fois, les vidéos que vous écoutez, que vous regardez aujourd'hui sont archivées maintenant, sont archivées sur YouTube. Donc, je vais juste recopier encore une fois, à titre de référence, le lien dans le chat. Sinon, pour ceux qui nous écoutent en rediffusion, je vous montre mon bureau de travail dans quelques instants. Donc, la page est ici. Là, je sais que c'est un peu long, peut-être à taper. Je pourrais peut-être créer un Bitly, ce serait peut-être une bonne idée. Donc, toutes les vidéos que j'ai faites depuis le début de ce projet-là sont disponibles. Encore une fois, pour ceux, c'est la première fois qu'ils voient cette page-là sur YouTube. Sur YouTube, en fait, j'ai mis les vidéos de la semaine dernière ici en ligne sur YouTube. Et ce que je mets lorsque vous cliquez sur la vidéo, oups, juste monter le son ici du bureau. Donc, ce que je mets ici dans la description, en fait, c'est tous les sujets qui ont été couverts pendant l'émission, avec les liens qui ont été partagés. Donc, c'est bien de faire un retour. Et ce que j'ai commencé à faire aussi, là, mettre des identificateurs en temps. Donc, par exemple, la semaine passée, j'ai présenté notre outil qui s'appelle Build A. Donc, si vous voulez aller revoir la démonstration, vous cliquez simplement sur le temps ici, ça va vous amène directement à la démonstration. Je ne ferai pas ça pour chacun des topics, c'est un travail de moine, mais peut-être pour les démos plus importantes, pour les gens qui puissent accéder plus rapidement. Donc, j'ai fait ces petites références-là. OK, sinon, si je reviens à cette caméra-là ici pour me voir en grand écran. Qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Tout d'abord, au menu aujourd'hui, pour ceux qui ont vu le titre, en fait, j'ai deux sujets. Je vais revenir sur l'acquisition de GitHub par Microsoft, acquisition qui a fait couler beaucoup d'encre ou qui a fait briser peut-être plusieurs claviers. Donc, on n'écrit plus beaucoup au papier, on tape sur des claviers. Il y a eu énormément d'articles qui ont sorti suite à cette grosse acquisition-là par Microsoft. Donc, je vais revenir avec vous sur ça. J'ai eu de l'information, j'ai travaillé avec Microsoft dernièrement sur des projets que je vous parle dans quelques instants. J'ai eu de l'information de leur part et l'information que je peux communiquer, là, il n'y a rien de secret. Et vous faire part aussi quelques petits articles que j'ai trouvé super intéressants sur le web. Il y en a eu plusieurs, là, mais il y en a vraiment qui ont sorti que je trouve super intéressant. Je vais partager ça avec vous dans quelques instants. Et aujourd'hui, on va faire une première essai aussi. En fait, je vous avais parlé dans ma première émission que je veux en fait tenir des sessions, découvrir des produits ensemble. Donc aujourd'hui, on va faire une installation de Satellite 6.3 ensemble. C'est pas un nouveau produit pour moi. Vous savez, je connais très bien Satellite, mais c'est la première fois que je vais installer Satellite 6.3. En fait, j'ai installé beaucoup 6.1, 6.2. Avec 6.3, il y a des petits changements. En fait, j'ai une VM avec 6.2 qui, malheureusement, je manque d'espace à l'intérieur de la VM. Donc, c'est une bonne opportunité pour moi de remonter la VM et le faire avec vous montrer un petit peu comment ça se passe. J'ai aucune idée comment ça va nous prendre de temps aujourd'hui. Alors, je sais qu'il y en a qui pourront peut-être pas dépasser l'heure, mais si vous voulez voir la suite, bien sûr, tout est enregistré sur Twitch, ça va être disponible, et sur YouTube aussi si vous voulez suivre. Mais j'ai aucune idée pour combien de temps on en a ensemble aujourd'hui. Certes, on va faire l'heure, on va probablement dépasser l'heure. Parce que quand même, installer Satellite, c'est un gros morceau. Ce que j'ai prévu, c'est qu'on va commencer par débuter l'installation, lancer l'installation, parce que le script d'installation est quand même assez long. Pendant l'installation, je vais vous présenter quelques slides sur le produit Satellite pour ceux qui connaissent un peu moins, et vous parler un petit peu des nouveautés dans Satellite 6.3 pour ceux qui connaissent un peu plus Satellite, pendant que l'installation va se faire. Et par la suite, on va configurer. Je ne sais pas encore une fois combien de temps on va en avoir pour faire tout ce travail-là. J'ai pas fait de test avant. Je vais découvrir ça avec vous. On va peut-être frapper des nœuds ensemble. On va travailler pour corriger ça. Et ça se peut que je sois obligé d'arrêter au milieu de la configuration parce que j'ai d'autres rencontres aussi de céduler au menu de mon côté au travail aujourd'hui. Si jamais c'est le cas, éventuellement, je vais poursuivre l'installation, la configuration de Satellite 6 un peu plus tard, la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Fait que ça se peut qu'il y ait un épisode Twitch là, qui sort un petit peu de l'horaire habituel juste pour compléter cette installation-là. Donc, c'est ce que j'ai au menu. Avant d'aller dans les sujets principaux, peut-être vous dire un petit peu sur quoi j'ai travaillé dans les 2 dernières semaines. Très occupé avec des événements, un événement entre autres avec Microsoft qu'on a livré hier à Québec. Un super événement, une journée complète sur laquelle on avait plusieurs sujets qu'on voulait couvrir. C'est un événement qu'on a travaillé conjointement, Red Hat et Microsoft, les équipes principalement de Québec,
quelques membres de nos équipes de Montréal, de notre équipe de Montréal qui a donné un coup de main aussi. On a invité les clients Microsoft et Red Hat à venir passer une journée ensemble pour entendre parler de SQL sur Linux, d'automatisation avec Ansible, de OpenShift et finalement de CloudFormation. Donc, on a eu plusieurs présentateurs et je pense que ça a été bien apprécié. Sur l'heure du midi, j'ai parlé à plusieurs participants et après la journée aussi, on est allé prendre une bière avec quelques participants. On a eu des très bons commentaires. J'ai reçu des courriels aussi ce matin de quelques participants, donc je pense que ça a été un bon succès. Si pour ceux qui n'ont pas eu la chance de venir, qui ont manqué cet événement-là, vous pouvez en prendre une partie. En fait, j'ai un. On a déposé en fait sur. Je vais le mettre dans le chat ici. On a déposé ici. Vous pouvez voir dans le chat. Toutes les présentations qui ont été faites hier. Donc, c'est sûr que vous n'avez pas l'interaction. Vous allez avoir au moins le contenu. Et sachez qu'on va refaire cette présentation-là à Montréal cet automne. On n'a pas de date encore. Donc, pour les gens de Montréal, si vous voulez garder le punch, allez pas voir les présentations. Pour les gens de Québec qui ont manqué. Ou les gens d'ailleurs qui sont pas en mesure de se déplacer sur Montréal ou Québec, vous êtes vous pouvez jeter un œil aux présentations. Pour cette présentation-là, j'ai fait j'ai travaillé en fait ma portion. Moi, je présentais la portion Ansible, la portion automatisation. En fait, je reprenais la première présentation de la journée était SQL sur Linux. Donc, la base de données Microsoft SQL sur Linux. Donc, Martin Turcotte de Microsoft a présenté, a fait un super travail, a montré comment c'est assez simple de déployer Microsoft SQL sur Linux et combien ça performe bien. Alors, moi, j'ai repris un peu ce qu'il a fait et je l'ai automatisé avec Ansible. Donc, si vous voulez voir un petit peu les travaux qui ont été faits de mon côté, du côté Ansible, je vais vous partager. Oups, je n'ai pas fait le bouton. Trop de fenêtres ouvertes en ce moment. Donc, je vais aller sur le bureau ici. Donc, on va. Je vais juste vous montrer un petit peu les travaux qui ont été faits. Donc, d'abord, j'ai créé un rôle Ansible qui permet d'automatiser l'installation de Microsoft SQL sur Linux. Donc, j'ai pris ce que Martin a fait manuellement, en fait, pendant sa présentation. On l'a fait exécuter au travers d'un rôle. Je l'ai rendu disponible. Il est disponible aussi sur Galaxy. Si vous cherchez sur Galaxy, vous allez le trouver. Sinon, il est sur GitHub. En fait, c'est basé, c'est un fork que j'ai fait d'un de mes collègues pour lequel ses travaux dataient un petit peu. Donc, j'ai mis à jour un petit peu ce qu'il a fait. J'ai fait des petites modifications et l'ai adapté à la présentation. Donc, je peux mettre aussi dans le chat le lien du code source du rôle en question. Sinon, ce que j'ai fait aussi pendant ma présentation, je présentais Tower, que je vous ai déjà présenté dans le passé. Donc, j'ai mis aussi les playbooks, vous allez voir ici, les playbooks que j'ai utilisés, que j'ai greffés à Tower. Donc, un pour installer. Et utiliser des paramètres en fait pour installer MSQL sur L7. Et si vous l'utilisez, vous le greffez avec votre Power, ça va marcher juste en cliquant sur un bouton. Et finalement, j'ai un petit playbook ici qui permet d'appeler la portion du rôle qui crée la base de données. Donc, ce que j'ai fait dans Power, c'est que j'ai créé une interface. J'ai créé un formulaire en fait qui pose la question à l'usager, que c'est quoi le nom de la base de données que tu veux créer. Donc, c'est ce que j'ai fait comme démonstration. Et comme dernière partie de la démonstration, en fait, de mon côté, je l'ai passé la main à mon collègue Arseny qui faisait une présentation sur OpenShift. Donc, ce que j'ai fait, en fait, j'ai travaillé conjointement avec plusieurs personnes sur un méga rôle, plusieurs playbooks, en fait, Ansible. Oups, c'est pas le bon tout de suite que je vous ai donné. J'ai trop de liens. C'est plutôt celui-là. Je vais revenir sur l'autre dans quelques instants. Donc, c'est un très gros, c'est plusieurs playbooks en fait qui permettent de déployer l'architecture de référence d'OpenShift sur Azure. Donc, un gros travail assez titanesque qui a été fait par notre collègue ici. Je ne peux pas prononcer son nom, le Jason Hearn, je devine, oui, ça doit être ça. Donc, Jason, j'ai donné un coup de main à tester, à corriger des portions de son playbook. Mon collègue Marcos, qui a présenté la portion CloudFormation, a aussi travaillé dans ce playbook-là. Le playbook n'est pas tout à fait parfait encore, il y a encore des petits glitches. On dépend surtout beaucoup la vitesse d'exécution du côté Azure, qui des fois est très chargée, donc on a des timeouts.
Mais on continue à travailler ce playbook-là. Mais bref, ça déploie quand même une grosse infrastructure OpenShift, plusieurs nœuds. En fait, vous avez le détail ici. Donc, 13 nœuds au total qui sont déployés dans OpenShift, qui consomment un total de 55 CPU avec 219 GB de RAM, ce qui est quand même énorme. Donc, le but ici, c'est de démontrer qu'avec Ansible, on fait des petites choses, mais on peut faire des grandes choses aussi. Et aussi, c'est de démontrer la capacité Ansible vraiment de parler avec Azure, créer tout ce qu'il faut du côté Azure, toute l'infrastructure qu'il faut, les load balancers, les DNS, la réseautique, les firewalls, et ainsi de suite. Donc, super playbook, je vous invite à aller jeter un œil, je le mets en référence dans le chat, ceux qui veulent y accéder encore une fois, sinon ça va suivre dans la description de la vidéo prochainement. Dernière chose qu'on a annoncée, en fait, qu'on a discuté en fait hier, que je pense que ça peut être d'intérêt pour certaines d'entre vous, OpenShift sur Azure. En fait, on a une offre conjointe qui s'en vient avec Microsoft, pour lesquelles, si les gens veulent rouler OpenShift sur Azure, mais ne pas s'en occuper, ne pas le gérer, une offre gérée par Red Hat et Microsoft conjointement. Donc, ça s'en vient, ça a été démontré au Red Hat Summit dernièrement et pour en fait avoir accès à un environnement OpenShift très rapidement, Azure a rajouté tout simplement OpenShift dans leur service catalogue. Alors pour lancer OpenShift, si vous tapez ça aujourd'hui là, ça ne fonctionnera pas. Par contre, ça s'en vient là, c'est probablement cet été, on va voir les premières plateformes de développement. Quand je dis développement, c'est qu'on fera pas de la production tout de suite. Là, on va tester avec Microsoft des environnements de développement pour OpenShift. Il va suffire de taper cette commande-là en utilisant la ligne de commande Azure pour créer l'environnement OpenShift en quelques minutes. Ce que ça fait, ça va installer une version OpenShift adaptée, je vous dirais, pour Azure, pour lesquelles on va être capable aussi d'interpeller des services Azure directement dans OpenShift. Donc, ce qu'on voit ici, une petite image de ce qui a été pris, je vais peut-être grossir, je ne sais pas si c'est plus gros. Ouais. Donc, ici, c'est le service catalogue d'OpenShift. Donc, à partir d'OpenShift qui roule sur Azure, on va être capable de commander aussi des services Azure. Donc, c'est ce qui s'en vient du côté OpenShift. C'est ce qu'on a présenté, en fait, hier pendant la journée. Donc, sur ça, je vais revenir à grand écran. Donc, c'est ce que j'ai travaillé dans les dernières semaines, travailler sur ce playbook-là, monter les présentations, pratiquer les présentations. En fait, ce qui est fun avec Microsoft, c'est qu'on a fait deux dry runs de cette présentation-là. On voulait s'assurer, en fait, de la fluidité entre les présentations et que ça s'enchaînait bien. Je pense qu'on a bien réussi ça hier à démontrer ça. Donc, encore une fois, pour les gens de Montréal, on va le refaire à l'automne. J'ai pas de date encore, là, mais dès que j'ai les dates, je vous communique ça. Sinon, côté autre annonce des événements qui s'en vient, j'ai déjà mentionné la dernière fois, mais je n'avais pas de lien. Maintenant, j'ai un lien. On a le Rogue à Montréal qui s'en vient, qu'on ouvre à tout le monde. C'est pas obligé. Le Rogue, normalement, est réservé à nos clients. Cette fois-ci, on va l'ouvrir à tout le monde. Oui, bonjour. Yamato Q-Level. Les noms sur Twitch, là. C'est pas évident des fois à prononcer. Donc, bienvenue. Oui, ça va. Merci. Donc, je reviens du côté des événements. Donc, sur Montréal, on a l'Ansible Workshop. Qui va se faire le Ansible Windows Workshop, pardon, le 12 juillet, de 1 h à 17 h. Tout le monde est invité, vous êtes les bienvenus. Donc, je mets le lien pour vous inscrire si vous voulez. Il nous reste encore de la place. On est limité en espace. On a environ une cinquantaine de places. Ça va avoir lieu à nos bureaux dans le Vieux-Port, à Montréal. Donc, on refait ce qu'on a fait à Québec il y a quelques semaines, qui a été un succès, 60 personnes qui ont participé. Donc, on refait une version améliorée, en fait, épurée, je vous dirais, à Montréal le 12 juillet prochain, juste avant les vacances. Sinon, la semaine prochaine, j'ai été, je vous mets ça aussi dans le chat. Je suis, pardon, je suis. Il y a un événement, un webinaire qui s'en vient, qui pourrait peut-être vous intéresser si vous êtes amateur de Ansible. Je le mets dans le chat. Un webinaire sur Ansible Security Compliance. Donc, je vous avais parlé qu'avec Ansible, il y a de plus en plus de sous-projets Ansible. On a Ansible Network, on a Ansible Windows, et on a Ansible Security. Donc, il y a une présentation, un webinaire qui va avoir lieu le 21 juin prochain. Je crois que c'est à 11 h. Pour vous inscrire, vous faites le lien, c'est gratuit.
Donc, je vais participer, je me suis inscrit, je vais aller voir ce que notre équipe de sécurité a fait très bien avec Ansible. Sinon, quoi d'autre avant d'embarquer dans les sujets? Des trouvailles intéressantes que j'ai faites. En fait, c'est une nouvelle petite section que je rajoute à mes émissions, des trouvailles que j'ai faites pendant les dernières semaines. Donc, on est toujours dans la thématique OpenShift avec l'événement qu'on a eu hier. Donc, je vous montre ça dans quelques instants. On va juste changer la caméra encore une fois. Donc, petite trouvaille, question que j'ai souvent, qu'on a souvent sur OpenShift. On a plusieurs versions d'OpenShift, il y a plusieurs versions de Kubernetes, il y a plusieurs versions de Docker. On livre un paquet d'outils avec OpenShift. Alors, quelle version marche avec quelle version? Quelle version vient avec quelle version? Donc, ça devient vite free for all. Donc, ici, on a tout consolidé cette information-là dans cet article-là, qui est vraiment superbe. Toutes les versions d'OpenShift, en fait, à partir de la version 3. Quelle version de RHEL qui est supportée, qu'on peut utiliser, quelle version d'Ansible qui vient avec, qui permet d'installer, en fait, vous savez qu'OpenShift est déployé avec Ansible, la version de Docker pour les versions, la version de Kubernetes, de etcd. Donc, énormément d'informations, c'est quoi le type de stockage qu'on supporte, je vais juste agrandir ici, là, je pense qu'il en manque un petit peu, type de stockage qui est supporté selon les versions. Donc, je trouve que c'est un superbe article qu'on a mis en place qui va faciliter la réponse à ces questions-là, parce qu'on l'a souvent, et souvent on cherche dans la documentation, c'est quoi la version, est-ce que ça fonctionne avec, est-ce que le client, le browser va marcher avec la version d'OpenShift 3.5 et ainsi de suite. Donc, on a tout démystifié ça dans cet article-là, et c'est un article qui est maintenu à jour. Donc, je vous invite à mettre ça dans vos bookmarks, c'est vraiment super intéressant comme article. Okay, sinon, dernière chose, mon collègue Marcos qui m'a partagé un tutoriel Ansible. Donc, on a livré plusieurs workshops sur Ansible et Marcos a déniché un petit tutoriel entièrement sur GitHub. Donc, je vous montre ça dans quelques instants. Je le copie ici. Je voudrais que ça date un petit peu. Ok, c'est pas du Ansible très récent. C'est Ansible 2 qui est là. Par contre, ça semble être assez riche comme tutoriel, et encore une fois, tout est stocké sur GitHub, tout est ouvert en fait, si vous voulez le modifier, le réutiliser. Donc, on part de zéro, puis on vous fait graduer un petit peu dans Ansible. Donc, donner des exemples, comment montrer vos playbooks, vos templates. Je pense que la portion rôle n'a pas été faite, effectivement, donc peut-être que ça va venir, mais bref, un autre tutoriel que je trouvais intéressant. Comme je vous dis, il date un petit peu. C'est la communauté qui le fait, donc je pense que c'est assez orienté à Ansible ou pas Ansible, mais d'autres distributions Linux, mais le concept demeure le même avec Ansible, peu importe la distribution Linux qu'on utilise de toute façon. OK, on continue. Donc, allons-y avec les sujets principaux aujourd'hui. Je vais juste prendre une petite gorgée d'eau. Je vous dirais que la météo, pas la météo, la température commence à être chaude dans mon bureau avec le soleil, la belle température, la lumière qui crée de la chaleur, les ordinateurs qui roulent. C'est le problème de travailler dans un bureau fermé l'été, c'est que ça chauffe très très vite. J'ai pas d'air climatisé dans mon bureau. Je suis pas un amateur d'air climatisé. On aime apprécier la chaleur quand on en a, tout simplement. Donc, sujet principal. Principal numéro 1 qui est grosse annonce en fait dans les dernières semaines. Je pense qu'il a surpris plusieurs personnes. L'achat de GitHub par Microsoft. Et là, je sais qu'il y a parmi vous il y a des gens qui sont des gens qui sont dans le monde du logiciel libre, ça fait des années qu'ils défendent ardemment le logiciel libre et que Microsoft, c'est le démon. Donc, et ce qu'on a vu, en fait, suite à ces annonces-là, on a vu des projets open source se retirer de GitHub, effectivement. Mais bonne nouvelle dans tout ça, bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour GitHub. En fait, l'annonce a créé beaucoup de bruit. Des gens qui ne connaissaient pas GitHub, qui ont appris c'était quoi GitHub avec cette annonce-là. Donc, ce qui fait que, oui, il y a eu des départs de projets sur GitHub, mais ce que les gens de Microsoft nous disaient, c'est qu'il y a eu aussi beaucoup de gains avec cette annonce-là. Donc, on va essayer de décortiquer ça un petit peu ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'abord, je veux juste partager avec vous à l'écran, mettre du contenu un peu plus dynamique, de voir mon visage tout le temps. J'avais, vous
partager à l'écran ici l'annonce de Microsoft, en fait, officielle. Je vais la mettre dans le chat aussi si vous voulez suivre. Donc, l'annonce officielle de Microsoft le 4 juin, acquisition pour 7,5 milliards, c'est énorme. Grosse acquisition. Donc, ce qu'on voit sur cette photo-là, on voit le président actuel avant l'acquisition de GitHub, le CIO de Microsoft, qui se nomme, j'ai oublié son nom, Satya. Et finalement, ici, une personne que je veux prendre un petit peu plus de temps aujourd'hui pour vous expliquer c'est qui, Nat Freeman, parce que j'ai eu la chance de le croiser lorsque je travaillais chez Novell à l'époque. On a travaillé ensemble, Nat et moi, chez Novell, et j'ai eu la chance de le croiser, d'échanger avec lui. Je vais vous parler de lui, quand même un monsieur, si vous ne le connaissez pas, un monsieur, un jeune homme en fait, qui a une influence énorme, dans les communautés open source. Puis je vais vous expliquer un petit peu son historique, ça va vous aider à comprendre, d'où sort ce monsieur. OK, donc, première des choses, GitHub, c'est 800 employés, donc c'est quand même une grosse entreprise. En fait, GitHub est un service web, en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, là, GitHub, c'est le repo principal de beaucoup de projets open source. C'est le repo principal, en fait, sur Internet des projets open source. On estime, ben, enfin, on estime, les statistiques sur GitHub démontrent qu'il y a 25 millions de développeurs qui déposent leur code sur GitHub, qui ont déposé leur code sur GitHub. Donc, c'est un gros groupe de développeurs qui se retrouvent sur GitHub. Donc, GitHub, c'est un service web. En fait, qui vous permet de déposer votre code au travers en utilisant une application qui s'appelle Git. GitHub a été créé en février 2008 et Git, en fait, l'outil qui permet d'envoyer son code sur GitHub, Git a été créé par Linus Torvalds, en fait, et son équipe de développement pour le kernel Linux en 2005. Donc, Git est créé en 2005 par Linus Torvalds, celui qui crée le kernel Linux. Et 3 années plus tard, on a un consortium de 3 personnes qui développent GitHub pour rendre le service en ligne, tout simplement. Donc, ces gens-là ont développé GitHub en utilisant Ruby on Rails, pour ceux qui connaissent Ruby, et Erlang, peut-être moins connu un petit peu, mais Erlang qui est de la compagnie Ericsson. Donc, quoi d'autre à dire sur GitHub, un petit peu avant d'embarquer dans ce qui est Nat Freeman? Oui, non, en fait, peut-être passer tout de suite à Nat Freeman. Nat Freeman a été nommé suite à l'acquisition de Microsoft, de GitHub, comme le responsable, le CIO, si vous voulez, de GitHub. Qui est Nat Freeman? Nat Freeman, si on commence un petit peu au début de sa carrière, a été au MIT. A créé sa première grosse création, en fait, c'est au travers IRC qu'il le fait, le chat, en fait, a créé la communauté LinuxNet, qui est utilisée, que j'ai utilisée à l'époque, que IRC était très populaire pour communiquer, échanger de l'information sur Linux. Donc, c'est Nat Freeman qui a fait ça. Il a fait ça en collaboration avec un de ses bons amis qui s'appelle Michael Decazo. Michael Decazo et Nat Freeman, là, c'est pratiquement le bras gauche et l'autre c'est le bras droit, donc ils se suivent régulièrement ensemble depuis l'université. Ensemble, ils ont fondé Xemian. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Xemian, peut-être les gens plus âgés ici ou du côté Linux. C'est les gens qui sont derrière GNOME, en fait, l'interface graphique sous Linux. Donc, ils ont fondé cette compagnie-là. Ils avaient fait un outil de gestion pour mettre à jour aussi l'environnement GNOME. Donc, je me souviens de cette époque-là, belle époque. Et en 2003, la compagnie Xemian a été achetée par Novell. Donc, Novell a commencé à faire un saut vers le monde Linux à cette époque-là. Donc, ils ont acheté la compagnie de Miguel et de Nat. Et sont restés là plusieurs années. En fait, Nat est devenu le CTO Open Source chez Novell jusqu'en 2010. Et c'est là qu'on s'est croisés. En fait, Nat avait eu le mandat de migrer les 6 000 quelques employés de Novell de Windows vers SUSE Linux et d'Office vers OpenOffice. Donc, il avait eu un gros mandat. Novell, ce qu'il faut savoir, c'est cette époque-là, Novell mettait énormément d'efforts sur le desktop Linux. D'ailleurs, moi, j'ai été engagé aussi dans ces années-là chez Novell par les travaux qu'on faisait dans un ministère au gouvernement sur le poste de travail. Linux, je suis un partenaire de Novell à Québec. Donc, j'ai été engagé par eux, j'ai très continué ce projet-là et je suis tombé sur certains meetings où Nat Leeday parlait de ce qui s'en venait avec SUSE Linux Desktop à l'époque.
J'ai échangé aussi via le système de Bugzilla des problématiques rencontrées sur le desktop Linux et je me souviens d'avoir vu Nat répondre et même Miguel Ducaso aussi. En fait, Miguel, parce que je parlais un petit peu de Miguel maintenant. Miguel qui est comme je vous dis, Miguel est le développeur, Nat est plus la tête, si tu veux, entre les. Pas la tête, mais le businessman entre les deux. Donc Miguel parle français. Miguel très super bonne réputation lui aussi dans le monde du monde open source. Travaux qu'il a fait en arrière de Gnome, entre autres. Et Miguel Sombre-Droit était une personne de la ville de Québec. Si je me souviens bien de son nom, c'était un gars qui s'appelait Sébastien Pouliot. En tout cas, peut-être qu'il y en a qui le connaissent ici. Donc, Sébastien était un programmeur avec Miguel. Miguel parle français. On a déjà, je pense, avec un appel avec Sébastien, on avait fait un appel pour discuter des problématiques qu'on avait rencontrées sur le desktop Linux et Miguel était sur le bridge aussi. Donc, tout ça pour dire que oui, j'ai eu la chance de croiser rapidement Nat Freeman, puis maintenant il est rendu à la tête de GitHub, un des sites web sans doute les plus utilisés aujourd'hui pour déposer du code. Quoi d'autre à dire sur ça ici? Juste vous rappeler aussi, peut-être avant que Nat soit nommé CIO de GitHub du côté Microsoft, en fait, comment Nat s'est ramassé chez Microsoft, c'est qu'il a créé en 2011, après avoir quitté Novell, Xamarin. C'est la compagnie qui était derrière Mono, donc qui offrait le .NET sur Linux. Et je me souviens que les gars avaient commencé à travailler là-dessus alors qu'ils étaient chez Novell. Et les gars avaient fait des benchmarks, avaient démontré que les applications .NET qui roulait sur Mono, roulait plus vite sur Linux que nativement sur Windows. Et je me souviens que cette équipe-là avait été faire la démonstration chez Microsoft et expliquer comment ils avaient réussi à faire ça. Quelques années après, Microsoft a acheté Xamarin en 2016. C'est comme ça que Nat s'est ramassé en fait chez Microsoft. Donc, toute une histoire. En fait, l'histoire, bon, j'en connais des brides, mais en fait, ça sort de Wikipédia, tout ça. Mais juste pour vous dire que j'ai eu la chance de croiser ce petit monsieur-là à l'époque. Sinon, Nat a tenu ce qu'on appelle un AMA sur Reddit, Ask Me Anything. Donc, je vous copie le lien ici. Pas plus tard que la semaine dernière. Donc, je peux vous montrer. On va regarder ça ensemble ici. Donc, Nat a tenu. Ouais, okay. Donc, a tenu. C'est des questions-réponses. Je peux-tu faire ça? Tu marches? Ouais, non, ça ne marche pas du tout. Ouais, ça remplirait ma situation. Donc, on va revenir en arrière. Donc, je vous invite à aller voir le lien. En fait, Nat a répondu aux questions. Question que la communauté posait sur ce que vraiment Microsoft va faire avec GitHub. Est-ce que Microsoft va encapsuler ça dans les offres? Est-ce que le login maintenant pour se connecter va être un login de Microsoft et ainsi de suite? Donc, en fait, il a voulu rassurer la communauté là, que GitHub allait garder ce que GitHub est aujourd'hui, mais qu'en fait, GitHub va être amélioré par l'expertise et la quantité astronomique aussi de développeurs que Microsoft a aujourd'hui. Ce que j'ai trouvé de bien dans une des questions, puis en fait, je pense que j'en avais discuté une semaine ou deux lorsque j'étais chez Microsoft pour préparer un événement avec Mathieu. Je ne sais pas si Mathieu est avec nous aujourd'hui, là. Je me dis que Mathieu m'avait mentionné peut-être qu'il allait venir faire un tour, voir ce que je faisais avec mes émissions. Donc, ce qu'il a mentionné, en fait, dans ce Ask Me Anything-là, c'est que le code source de Windows a été déplacé dans Git. Je ne peux pas dire quand, mais et ce qui en fait un des plus gros projets sur Git en ce moment, en fait. Fait que ce que ça le fait comme impact, c'est que Microsoft a fait évoluer beaucoup Git et GitHub par le fait même. Donc, on parle d'environ 300 gigs de code juste pour Windows, plus de 4 millions de fichiers. Ils avaient des demandes assez particulières, fait que Microsoft, enfin, a fait évoluer beaucoup la plateforme Git et GitHub par le fait même avec le développement de le code de Windows, en fait. Donc, ça, c'est ce qu'on apprend dans le Ask Me Anything. Sinon, dernier article que je veux partager avec vous avant d'aller au prochain sujet.
C'est un article de la Linux Foundation, un peu pour calmer la communauté là, qui s'excitait, qui disait on s'en va tous de GitHub, Microsoft va détruire GitHub. Donc, ce que la Linux Foundation dit dans cet article-là, on peut le regarder ensemble aussi ici. Ce qu'elle dit en fait, c'est que de voir Microsoft, en fait Microsoft depuis quelques années, depuis l'arrivée de leur nouveau CIO, l'open source n'est plus le mal et bientôt quelque chose est plutôt quelque chose de bien. Donc Microsoft investit beaucoup dans l'open source. D'ailleurs, l'événement qu'on a fait conjointement avec Microsoft cette semaine le démontre très bien. Là, on travaille de plus en plus près avec eux. Ils ont des grosses équipes qui focus sur l'open source. En fait, ce qu'on apprend un peu avec l'article ici, là, c'est que ça confirme que Linux, pas Linux, que Microsoft prend au sérieux l'open source. En faisant une acquisition comme ça, là, ça démontre que Microsoft est sérieux et qu'il donne raison en fait. Aujourd'hui, les développeurs, les meilleurs projets là, se retrouvent du côté de l'open source. Donc, c'est ce que ça dit en gros dans l'article. Ça dit que ça fait plus de monde encore qui vont participer, plus de développeurs qui vont participer au succès de Git et GitHub. Git qui est un projet open source, bien sûr. Donc, somme toute, c'est une bonne nouvelle. De mon côté, je suis content. Je suis content de voir qu'un géant comme Microsoft s'implique dans notre monde. C'est un joueur de plus, encore une fois. Plus qu'on est de gens qui participent dans les communautés open source, meilleur que les logiciels en sont. Sinon, si vous voulez vraiment quitter GitHub, il y a des alternatives à GitHub. À GitHub, pardon. Il y a des alternatives, c'est sûr. En entreprise, je vois beaucoup de gens qui ont leur propre serveur Git. Il y en a plusieurs. Je vous dirais les deux que je vois le plus, c'est GitLab et Bitbucket. Faire attention, en tout cas, j'ai appris que ce ne sont pas totalement open source, mais je dis faire attention. Si vous cherchez des solutions complètement open source, GitLab et Bitbucket ne sont pas complètement open source, sont ouverts partiellement. Mes collègues David Simard ont fait quelques tweets sur GitEA. GitEA qui semble être un. Alors, je peux le copier ici, là, dans le lien. GitEA qui semble un projet. Totalement open source. Sinon, il y a gogs.io ici. Donc, il y a plusieurs alternatives, mais honnêtement, je vous dirais, si vous êtes sur vos projets sont sur GitHub, il ne faut pas fuir. Au contraire, il faut donner la chance à Microsoft de démontrer ce qu'ils vont faire avec GitHub. Puis, je suis convaincu que leur plan, ce n'est pas de faire fuir tout le monde. Bien au contraire, c'est d'aller en chercher plus puis d'améliorer le service. C'est à leur avantage, surtout au coût qu'ils ont payé. Il faut le rentabiliser. Je pense que c'est une belle acquisition, c'est une belle nouvelle pour cette communauté-là. Donc, ça n'a rien à voir avec Red Hat, en fait. C'est juste que ça a fait parler dans notre monde. Je voulais en parler un petit peu, vous passer un petit peu d'informations que j'avais trouvées intéressantes. Vous parlez de Nat, bien sûr. Nat qui est très respecté dans la communauté open source, qui est maintenant chez Microsoft et qui contrôle, qui est à la tête de ce projet-là. OK, donc on se lance dans un prochain sujet, je vois l'heure déjà midi 49. Ça va vite. Donc, on va commencer. Comme je vous dis, je ne sais pas à quelle heure que je vais terminer. On va en faire un bout. Si c'est pas terminé, on va bien sûr compléter un peu plus tard. Donc, on y va avec l'installation de satellite 6.3. Pour ceux qui ne connaissent pas satellite, peut-être commencer rapidement avant d'embarquer dans l'installation, là, pour ceux qui ne connaissent pas Satellite. Là, je cherche trop de fenêtres ouvertes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Satellite, rapidement, là, très rapidement, je crois que j'ai un petit slide ici qui peut vous intéresser. Si je mets ça en plein écran, ça fait tout sens. Je pense que ça a l'air bon. Oui. Donc, en fait, Satellite 6, c'est notre outil de gestion. C'est l'équivalent, en fait, de. Ben, l'équivalent. Ça ressemble un petit peu à ce que Microsoft fait avec SCCM. Mais ici, c'est vraiment propre à Linux. C'est vraiment propre à Red Hat Enterprise Linux, en fait. Donc, je vois qu'il y a. Oui, c'est ça. Donc, ça va ici. Juste voir le chat, s'il y en a qui a pas de pause. S'il y en a qui posent des questions, ce que je ne voyais plus. Donc, c'est un outil de gestion qui vous permet de gérer le cycle de vie complet de votre environnement Red Hat Linux. Donc, quand je dis le cycle complet, c'est du provisioning à son patching,
à la gestion des abonnements, à son provisioning, j'ai déjà dit provisioning, et à sa configuration. Donc, on a bundlé plusieurs outils ensemble open source pour créer cette offre-là. Et je vous dirais que la plupart de nos clients utilisent Satellite, que ce soit la version 5 qui est basée sur notre projet open source, ou la version 6 qui est la dernière version, on est à la 6.3. 5, pour votre information, vient d'un projet open source qui s'appelle j'ai un blanc, Spacewalk, pardon, et la version 6 qui vient d'un projet open source qui s'appelle Catello. Donc, projet hyper important pour bien des clients. Satellite est une composante critique. En fait, c'est lui qui provisionne, qui patch, qui contient en fait cette information-là, qui consolide ça, qui permet de générer des rapports pour aussi voir mes systèmes sont dans quel état. Donc, c'est une composante importante, bien sûr, pour plusieurs. Composante importante chez Red Hat. Satellite est au cœur de beaucoup de choses qu'on fait chez Red Hat aussi. Donc, ce qu'on va faire pour l'installation, je vais vous montrer comment on va démarrer cette installation-là. Avant d'aller plus dans le détail dans Satellite, on va partir de l'installation puisqu'on en a pour quelques minutes. Donc, tout d'abord, je vais baisser le son de mon téléphone. On va se faire déranger. Donc, j'ai une machine virtuelle qui roule. En fait, j'ai préparé ce matin. C'est une machine virtuelle. Je vais juste vérifier si la release est bonne. 7.7, la dernière version de Réal 7.5. J'ai mis assez d'espace. Satellite est assez gourmand en espace parce qu'on va synchroniser tout le contenu de Red Hat. On va l'emmener dans notre serveur satellite. Après ça, on va attacher des machines pour les gérer. Donc, j'ai mis un 110 gigs dans Slash. J'ai mis ça. Je me suis pas cassé la tête, là. Idéalement, en entreprise, on fait pas ça, là. On va séparer chacun des dossiers clés de satellite 6 dans des partitions précises en LVM pour pouvoir les grossir. Moi, c'est purement pour la démonstration. Donc, j'ai mis ça dans une VM. J'ai mis un gros disque de 120 Go de disponible. La documentation de satellite recommande un 20 Go de RAM pour la production. Encore une fois, pour une démo, on n'est pas obligé de rouler à 20 Go. Si vous voulez installer satellite dans votre laptop, un 8 Go va suffire avec. J'ai mis 4 vCPU, en fait, à l'intérieur. Donc, on va s'aider. On va sortir la documentation de satellite. Comme je vous dis, je ne l'ai pas installé encore, donc je découvre ça au fur et à mesure avec vous. Je l'ai mis à jour, 6.2, 6.3, mais je n'ai pas fait d'installation. Donc en même temps, ça va vous donner une petite formation sur comment naviguer dans la documentation de Red Hat. Donc, section Red Hat Satellite, je vais y aller avec le Quick Start Guide. Je pense qu'avec ça, on va être capable de démarrer assez rapidement sans trop se casser la tête. On va sauter quelques petites étapes. On va les voir ici, au repo. Donc, on va commencer par se connecter à Satellite. J'ai pas mis le DNS à jour. Il faudrait que je fasse ça. Ce serait important. Donc, je vais me connecter en route, en fait, la machine. Est-ce que c'est assez gros à l'écran, les caractères? Je vais peut-être grossir. Ici, peut-être pas en 16, ça va être trop gros, là, mais. Je vais baisser en 14. Je pense que ça va être mieux comme ça. Merci Fred, toi aussi, bonne fin de semaine. Donc, tout ça, je vais juste aller valider les repos qui sont activés sur mon serveur satellite. Donc, GRL7 que j'ai besoin. On va aller chercher la Software Collection et bien sûr le repo où est satellite. Le code de satellite. Oups, il manque repo ici. Donc, j'active des repos. Très important, si vous voulez faire ça sur vos machines réelles, ça prend un abonnement à satellite. Sachez que satellite, aujourd'hui, est gratuit. Depuis en fait le 1er mars. Le satellite est gratuit. Alors, oups, on a un petit message à modem. J'ai un message qui rentre.
Merci. Je vois pas qui est Carola War qui nous suit maintenant. Merci. Donc, ce que je disais, ça prend un abonnement, en fait, satellite. Un abonnement. En fait, ça prend pas un abonnement. Satellite est gratuit. Je vais corriger ça. Satellite est gratuit, mais pour avoir accès à satellite, il faut que vos Red Hat Enterprise Linux aient le add-on Smart Management. Donc, Smart Management, lui, n'est pas gratuit. On vend par soit machine physique que vous utilisez, avec un limited guest dessus sur des VM, ou tout simplement vous l'achetez par instance que vous voulez rouler. Donc, question par rapport à Ansible Tower, est finalement disponible en Canada comme AWX. Non, Ansible, oups, on change de sujet ici, MetaBSD. Non, Ansible Tower n'a, en tout cas, à moins qu'il y ait une version qui est sortie aujourd'hui, là, Ansible Tower, la version 3, n'est pas disponible en container. Donc, ça s'en vient, là, c'est sur le roadmap. Je crois que c'est pour Tower 4, qui va être un petit peu plus tard cette année. Donc, pour revenir à Satellite, donc oui, ça prend cette extension-là qu'il faut acheter tout simplement. Dès que vous achetez cette extension-là, vous avez accès au repo de Satellite. En fait, ça vient en deux formats de repo. Là, vous avez le serveur principal et les capsules, si vous voulez. Mais on en livre, je pense qu'on en donne 50 par défaut. Mais si vous en avez plus, il suffit d'ouvrir un ticket puis d'en demander plus. Je veux dire, j'ai pas un client là, qui a 50 serveurs satellites de déployer. Donc, les repos sont activés. Je n'ai pas besoin de valider, là. Je pense qu'on est correct, là. OK, solution pour satellite en DRS intersite. Seule option en ce moment, VMware SRM ou VMware Stretch Cluster. Ouh. Très bonne question. En fait, il n'y a pas de. Bon, si on regarde satellite comme tel, là, il n'y a pas de solution HA dans satellite. En fait, on en a eu dans le passé. On a essayé des choses. Satellite est un. Vous allez voir tantôt dans mes diapositives, le satellite contient beaucoup de morceaux. Lorsqu'on veut mettre en cluster ces morceaux-là, ça fait une quantité incroyable là, de services qu'il faut mettre en trois copies. Parce que si on veut faire du HA, ça prend un minimum trois copies. Donc, on multiplie ce nombre de services-là par trois. Ça fait que ça prend plusieurs serveurs. Ça fait très lourd à gérer, très, très lourd à maintenir. Puis, on s'est aperçu que souvent, on crée plus de problèmes qu'on essaie d'en régler avec HA. Fait que maintenant, ce qu'on a décidé, pour l'instant, ça peut que ça change dans le futur. Pour l'instant, ce qu'on recommande aux gens, c'est vous installez Satellite sur une VM et vous prenez des snapshots de cette VM-là. Puis une fois de temps en temps, une fois par jour ou une fois par semaine, vous faites un catalogue backup. Donc il y a un script que je vais vous montrer une fois que Satellite va être installé qui permet de prendre en copie l'environnement complet de Satellite. Et si on dépose ça dans un endroit sécur, on l'envoie sur un autre site et on peut remonter. Ce qu'on offre un petit peu comme pour offrir de la haute disponibilité, semi de haute disponibilité, c'est les capsules. Donc, vous rajoutez des capsules devant votre serveur satellite. Puis, ce qui s'en vient avec Satellite 6.4, c'est des capsules en HA. Donc, au moins, mettre cette portion-là en HA avec l'autre, pas, excusez, pas en HA, l'autre balancé. Donc, je peux avoir deux capsules qui se partagent la même adresse IP et les requêtes se promènent d'une capsule à l'autre. Donc, c'est une capsule qui tombe en panne, mais c'est pas grave, c'est l'autre qui prend le relais. Aujourd'hui, avec 6.3, c'est possible de le faire, c'est juste en exception de support. Donc, les gens travaillent vraiment la recommandation, c'est de mettre ça dans une VM, faire des snapshots à l'occasion, faire des backups. Donc, s'assurer qu'on le fait régulièrement. On arrive à garantir un taux avec ça à 99,5 par année. On ne fait pas du 99,9 pour l'instant. On fait du 99,5 avec cette méthodologie-là. Donc, c'est ça. Du côté VMware, là, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un spécialiste VMware. Je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Mais en gros, c'est ce que les gens font, là, vraiment une bonne stratégie de backup, bonne stratégie de snapshot avec satellite. S'il y a un pépin, on peut revenir très rapidement en arrière. Généralement, c'est suffisant. Satellite est un service qui, oui, est critique pour bien des entreprises, mais on peut se permettre là, un downtime d'une heure, le temps de faire la restauration du backup ou du snapshot. Donc, je pense qu'on est bon. Ici, avant de lancer l'installation, j'ai une petite opération que je vais faire. En fait, je vais lancer un serveur, une autre machine virtuelle qui est mon serveur IDM, parce qu'éventuellement, je vais connecter satellite à IDM. Et là, ça va peut-être ramer un petit peu.
Si vous voyez des lenteurs dans la vidéo, vous me le direz. Je commence à être à court de mémoire dans mon laptop. Les logiciels grossissent, mais mon laptop grossit pas. Donc, je vais croiser les doigts là, que ça tire pas trop de jus. J'ai pas fait de test, mais laissez-moi savoir si vous voyez du ralentissement. Donc, pas de développement pour l'authentification Kerberos pour satellite 6.3. Très bonne question. Je ne sais pas, Eric, de ton bord, si tu es au courant de ça. Je pense qu'Eric est avec nous aujourd'hui. Eric, qui est le TAM chez nous, il a une bonne expertise avec satellite. C'est une bonne question d'Epicède. Je vais le prendre en note. Je vais revenir sur ça. C'est eu de Kerberos, satellite 6.3. C'est eu des améliorations là-dessus. À moins qu'Éric ait la réponse. Des fois, Éric est vite, il trouve la réponse rapidement. Donc, si Éric, tu peux jeter un œil. Sinon, je vais jeter un œil après l'épisode. Donc, ça semble être bon. IDM est parti. Ce que je vais faire, je vais tout simplement rajouter mon nouveau serveur satellite dans IDM parce que c'est important. La résolution de nom est importante avec satellite. En grosse partie pour le provisioning, mais surtout pour Puppet, là. Je vais configurer Puppet parce que Puppet est au cœur de Satellite 6.3 encore. Avec 6.4, on s'en vient avec Ansible au cœur. On a tous très hâte à ce moment-là de voir Ansible finalement intégré dans Satellite 6, mais pour l'instant, c'est Puppet. Donc, spécialement pour Puppet aussi, là, le DNS accroche. Des fois, le reverse DNS accroche. Donc, ce que je vais faire, je vais me connecter à mon serveur IDM. Je ne suis pas sûr que c'est lui. Est-ce que j'en ai deux serveurs IDM? Est-ce que c'est lui? Je vais être obligé d'aller voir ici. Attendez un petit peu. Vous mettre ça pour que vous puissiez voir ce que je fais. Sur 100, 250. Je veux juste être sûr que je prends le bon, hein. Ouais, finalement, c'est ça, j'avais pas la bonne adresse. Évidemment, il faut changer le mot de passe. Je vais mettre ça ici. Donc, je vais aller tout simplement créer l'entrée DNS pour ce nouveau serveur satellite que je suis en train de monter. Donc, on va aller ici dans ma zone principale, ici. Donc, j'ai un satellite démo, c'est celui que j'ai détruit. Donc, j'en ai créé un nouveau qui s'appelle satellite 6.mlc.dom. Et je l'ai mis sur la même adresse IP que mon ancien, parce que je l'ai détruit. Donc, 230. Là, je vais faire le dé mais avant de le faire, je pense qu'il n'aimera pas ça. Je vais plutôt aller supprimer celui-là. Ici. Je vais ajouter mon nouveau. Désolé, la petite manipulation. Double manipulation ici. Donc, je vais faire le reverse en même temps. Très important. Donc, je pense qu'on est bon. On va faire ajouter. Oh. J'ai l'impression que le reversed. Pourquoi? Ah, parce qu'il n'y a pas de reverse. Ça, j'ai pas de reverse ici. OK. Il n'a pas créé le reverse automatique. OK, c'est peut-être une mise à jour qui a corrigé ça. Donc, ce qu'on va faire dans ce cas-là, on va quand même le rajouter ici. Je ne ferai pas créer le reverse. Fonctionner. Wow. OK. Effectivement, je suis un peu rouillé avec IDM. On va flusher ça encore pour une troisième fois. On va l'avoir. On n'est pas obligé de mettre le nom de domaine. On met juste le nom, le premier nom en avant. Donc, on reprend ça. Satellite 6. On va l'avoir. Je vais juste réessayer ça pour voir ce qu'il va me dire. Ok, c'est sûr qu'on va avoir un pépin là, si j'ai pas mon reverse DNS.
J'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça. Donc, merci Eric quand même pour avoir vérifié. On va retourner du côté satellite. On va faire une petite modification ici. On va s'installer Vim parce que je vais perdre patience. Quand même beaucoup de dépendance avec Vim. C'est presque installé. Donc, je vais aller modifier le fichier Resolve en fait. Ici, pour le faire pointer sur le serveur IDM. Donc, je vais juste pigner le web pour être sûr que ça fonctionne. Ok, je viens de voir qu'on est sur le 32 ici. Pourtant, il le ping. Ok, donc je suis obligé de diagnostiquer cette problématique-là. J'ai un serveur IDM qui ne fonctionne pas bien. Donc, on va croiser les doigts qu'on n'ait pas de problème à l'installation de satellite. Ce que je vais faire ici, je vais remettre le 1. Et je vais m'assurer que dans Host, tout simplement, on a le nom de machine au complet sur 192, 168, 230. Je vais mettre satellite 6.demo, .msc, madame. Okay. Je pense que ça va être bon comme ça. Donc, on va être bon pour lancer l'installation. Donc, ça va prendre quelques minutes. Quelques minutes. J'ai aucune idée combien de temps ça va prendre. Ça fait trop longtemps que je l'ai fait. Je devine qu'il y a quand même plusieurs dépendances. On va laisser aller un petit peu, sinon, entre-temps, j'ai beaucoup de matériel sur Satellite 6 pour vous, en fait. Beaucoup d'informations à vous passer, ceux qui sont encore là, ceux qui suivent, qu'est-ce qui se passe. Donc, je vois que la quantité de personnes a diminué, mais c'est correct. C'est sûr que c'est pas tout le temps super excitant de regarder une installation de logiciel. Donc, on a quand même plusieurs paquetages à installer. La vitesse est bonne. Ce que je vais faire, je vais le mettre de côté, je vais le surveiller. Dès que c'est terminé, on va revenir à l'installation. On va être rendu ici, en fait, la deuxième étape. Donc, à date, ça n'a pas été trop compliqué, là. Il fallait activer, en fait, les bons repos, trois repos ici, installer satellite et on va lancer l'installateur par la suite. Donc, allons en plein écran pour poursuivre. Non, j'aurais pu rester en mode présentation. J'ai du matériel satellite 6 à vous passer. Bien sûr, une petite présentation qu'on peut faire pendant que le chef s'installe. Ça devrait aller assez vite. On est déjà rendu à la moitié, là. Fait que, Donc, ce que je veux en fait vous parler, pour ceux un petit peu qui connaissent moins Satellite 6, Satellite 6 est utilisé principalement. Capacité numéro 1 de Satellite 6, c'est vraiment pour gérer les patchs. Donc, télécharger les patchs du côté Red Hat, puis les rendre disponibles aux gens, aux serveurs, en fait, et aux administrateurs Linux, être capable de patcher le système. Ce qui est bien avec Satellite, c'est qu'on le gère d'une façon assez particulière. Assez, je vous dirais, comment amener ça? J'ai pas de mots pour expliquer ça, mais enfin, on a voulu rendre ça assez flexible, mais rendre ça ordonné, structuré, c'est ce que je cherchais comme mot. Donc, enfin, on s'est basé sur ITIL ici pour définir ce que vous voyez là. Donc, on a du contenu qui arrive de chez Red Hat ou de Git, d'un serveur Git ou de Puppet, parce qu'on peut synchroniser tout ce beau monde-là à l'intérieur de Satellite. On synchronise ça dans une boîte qui s'appelle Librairie. Ça vient du monde
Qu'est-ce que j'ai dit tantôt? J'ai un petit blanc. Bref, dans Satellite, on synchronise tout dans la librairie. À partir de la librairie, on va prendre ce qu'on a besoin dans cette librairie-là et on va le rendre disponible à des environnements. Okay? Ici, ce que vous voyez dans cette slide-là, c'est ce qu'on voit pratiquement partout. Trois environnements. Développement, QA et production. QA, qualité assurance. Donc, on a des serveurs, on a des admins qui sont associés à chacune des boîtes. Donc, lorsque je rends du contenu disponible de notre librairie vers le développement, on va créer ce qu'on appelle, vous voyez en bas, là, puis vous allez le voir passer dans quelques instants, des content view. Content view, c'est quoi? C'est des RPM, c'est des recettes Puppet pour l'instant. Éventuellement, vous allez voir des playbooks Ansible aussi dans la version 6.4. Donc, c'est un regroupement de RPM et de recettes Puppet que je veux rendre disponible à un environnement spécifique. Cet environnement-là, qu'on appelle le Content View, est gelé dans le temps. Lorsque je le crée, il va prendre ce qu'il y a dans la librairie, il le met là, puis après ça, on ne peut plus le modifier. Si on veut le modifier, il faut tout simplement republier une nouvelle version du Content View. Donc, ce qui fait que ce qui se passe normalement, c'est que les gens vont prendre ce set de patchs-là qu'ils ont reçu. OK? Ils l'ont attaché à un environnement de développement et ils font la mise à jour de ces machines-là. Regarde comment ça se passe. Est-ce que les applications roulent bien encore? Est-ce que tout est stable? Ils testent ça pendant quelques jours, font des modifications au besoin, peut-être des content views. Et une fois qu'ils ont la stabilité qu'ils veulent, ils vont pousser, ils vont prendre le content view qui est en développement, ils vont le pousser vers un autre environnement, ici qui est QA, donc une autre batterie de test qui s'effectue ici. Si tout se passe bien, on s'en va en prod. Généralement, ce que je vois, ces cycles-là prennent 2 semaines entre chaque. Pour se rendre en prod une fois par mois. Quand je dis une fois par mois, là, j'ai des clients qui le font une fois par mois, il y en a qui le font une fois aux 2 mois. Donc, la prod, généralement, on la touche le moins possible. Mais certes, il y a des patchs qui sortent, des patchs qui corrigent le problème de stabilité, de sécurité. Donc, il faut que ça se rentre. J'ai quelques clients qui font des patchs d'urgence en production, là, quand c'est des trous de sécurité qui demandent une attention immédiate. Mais en général, les gens passent dans ce flow-là. Ce flow-là qui est ici là, est entièrement paramétrable. Vous pouvez faire ce que vous voulez comme boîte. Vous pouvez parler des branches aussi différentes. Donc ça, là, c'est la force, la capacité numéro un, pourquoi les gens utilisent, j'allais dire Ansible, mais c'est Satellite. OK. Donc, si je continue, il y a un paquet de choses là. On aura la chance peut-être de parcourir toutes ces capacités-là dans les prochaines diffusions. On ne pourra pas tout faire aujourd'hui, définitivement. Il y a tellement de morceaux dans Satellite. Je vous ai parlé tantôt, il y a deux façons d'installer Satellite aujourd'hui. La version complète, Satellite Server, celle que je fais en ce moment. Et on a la version capsule, qui est la version plus légère de Satellite. En fait, c'est pratiquement qu'un proxy. Donc, on peut déléguer à des capsules des tâches spécifiques. Et ça, c'est une bonne pratique de dire j'ai un serveur Satellite principal et les tâches qui sont plus demandantes, on va mettre un capsule en avant pour décharger un petit peu le serveur Satellite. C'est sûr que si vous gérez une centaine de machines avec Satellite, vous n'avez pas besoin de serveur de capsule. Mais quand vous êtes rendu à des milliers de machines avec Satellite, là, faut penser à mettre des capsules. Et ce qui est bien avec la prochaine version 6.4, on va pouvoir mettre des capsules load balancées devant ce serveur satellite. Donc, pour donner un petit peu de redondance à votre environnement satellite. Ce que je veux vous montrer aussi, beaucoup de paquets de choses ici. Pendant que ça se complète, on a fini, presque terminé d'installer en passant un satellite. Donc, est-ce qu'on a encore des gens? On baisse encore en quantité. C'est pas grave, encore une fois, c'est en titre de référence qu'on fait cette vidéo-là. Donc, les nouveautés. Je pense que j'avais une section nouveautés. Ouais, OK. Donc, je vais juste faire un tour rapide. Je suis désolé si ça va vite. C'est ça. Donc, c'est la section que je voulais vous présenter. Je devine que certains. Plusieurs d'entre vous utilisent 6.2, mais n'ont pas touché en 6.3 encore. Donc, pendant que l'installation se complète, pourquoi pas faire le tour? Ça, c'est quelque chose que j'ai hâte d'essayer. C'est spécialement LazySync, en fait, a été spécialement conçu pour les gens qui débutent avec Satellite. Parce que lorsqu'on installe Satellite la première fois, qu'est-ce qui se passe? Première étape, il faut synchroniser du contenu du côté Red Hat. Généralement, les gens vont synchroniser le contenu de Rel7.
qui est la dernière version du système d'exploitation. Synchroniser ça, vous en avez pour plusieurs heures. C'est des quantités, je pense qu'on est rendu à pas loin de 30 gigs. Donc, avec l'EasySync ici, le repo devient disponible automatiquement pour les nouvelles machines qui veulent se brancher. Et on ne télécharge pas tous les paquetages. On va en chercher seulement, Satell va les chercher seulement sur besoin. Fait qu'au lieu de télécharger le canal au complet, on va en charger juste une portion. Et c'est exactement ce qu'on va faire pour cette installation-là de satellite. J'ai hâte de voir si ça se passe bien. En discutant avec Sébastien, mon collègue, Sébastien l'a essayé, il m'a dit que c'était génial. On pouvait partir très rapidement avec satellite. Ça, c'est une nouveauté attendue, spécialement pour nous qui font beaucoup de POC, démonstrations. Je dirais, c'est sûr, pour que les clients, peut-être moins intéressants, mais ça peut être intéressant si vous montez des environnements dans un lab. Donc, il y a des paramètres. On peut paramétrer les e-sync, on-demand, background ou immédiatement. Des nouveautés que j'ai pas eu le temps d'accrocher ici. Custom File Type Repository. Qu'est-ce qu'on fait ici? Create Repository Contain Custom File Type with No Repository Management Tooling and Import Tools Reporting. Vous allez. OK. Il semble qu'on peut créer des répertoires autres que des. Créer du contenu autre que du RPM, du ISO. Donc, on jettera un œil à cette nouvelle capacité-là de 6.3. Provisioning. Oh oui, ça, c'est intéressant. Lorsqu'on commence à faire des templates de provisioning avec satellite, pour ceux qui ont essayé, il y a quand même beaucoup de lignes de code souvent à taper. Donc, on a fait une intégration ici à Git. Donc, déposer tout simplement nos templates de provisioning sur Git et les gérer à partir de Git, gérer les révisions. Donc, ça, super, c'est en tech preview pour l'instant. Donc, très intéressant. Quoi d'autre? Intégration avec Ansible Tower. Oui, ça, c'est super. En fait, j'ai vu une vidéo qui montre comment faire. En fait, à la fin du processus de provisioning, on peut interpeller un provisioning callback de Ansible Tower. Donc, dans Ansible Tower, on peut indiquer à notre playbook qu'on veut être capable que ce playbook-là soit appelé via un API. Donc, on active cette capacité-là et on peut copier-coller, en fait, le lien que ça donne directement dans un champ. Si je ne me trompe pas, c'est dans un champ, c'est pas dans la template de satellite, mais c'est quelque chose qu'effectivement, on va essayer ensemble. C'est un début d'intégration avec Ansible ici qui est présenté. Donc, juste pour vous dire que satellite est pratiquement terminé d'installer. Là, on est sur la fin de l'installation. Notre prochaine étape, ça va être les clean-up. Donc, on va être bon pour continuer dans quelques instants. Ce qui est intéressant aussi, satellite peut être une source d'inventaire pour Ansible. Donc, c'est un début d'intégration qu'on a fait entre satellite et Ansible. Donc, support, oui. Pour ceux qui utilisent encore Puppet, on a Puppet 3.8 et 3.4. Dépicède, Download Policy on Demand, oui. En fait, c'est celle que je vais utiliser. Je vais revenir un petit peu sur les. J'avais pas vu ta question. On Demand, c'est que si une machine se connecte à satellite, puis elle a besoin d'un RPM, puis le RPM n'est pas présent sur satellite, il va la télécharger. Donc, c'est ça On Demand, en fait. Sinon, si on fait immédiate, c'est au moment où je lance la synchronisation d'un canal, il va télécharger toutes les patches d'une shot. Alors qu'on demand, il ne téléchargera pas, il va attendre qu'un système en ait de besoin. Donc c'est ça en gros. Donc Puppet support de 3.8 et maintenant 4 qui est nouveau. Nouvelle version. Je sais que ça fait quand même un petit bout qui est sorti dans la communauté, mais maintenant elle est intégrée, possible d'utiliser avec satellite. Côté provisioning, très intéressant aussi, le support maintenant de UEFI en provisioning. Je sais qu'il y avait des clients qui m'avaient rapporté ce défi-là, de pouvoir provisionner des machines pour lesquelles ils n'ont pas un BIOS, mais qui ont les nouveaux BIOS UEFI. Donc, c'est maintenant supporté. Et Amazon Web Service. Et madame plateforme supportée par satellite. Dans le passé, c'était une exception de support pour Amazon. Et je crois qu'on s'en vient aussi avec Azure et Google Compute Engine, mais pour l'instant, on a vraiment. Vous voulez déployer satellite dans Amazon, vous pouvez le faire. Peut-être pour gérer vos instances qui sont dans Amazon, mais faites attention, ça consomme beaucoup satellite, donc il risque d'avoir une bonne facture ici en termes de coûts.
Donc, c'est terminé. Je vous emmène ça à l'écran ici. On va poursuivre. Je reviendrai à la présentation tout à l'heure. C'est terminé. Donc, je vais aller chercher le document où on en était rendu. Bon, ici, on va faire des petites modifications. J'aurais pu faire ça tantôt. On va se partir un beau petit éditeur. Mon éditeur favori aujourd'hui, maintenant, Visual Studio Code. Donc, on va aller. On va aller copier ça ici, puis on va faire quelques petits changements. Donc, l'installateur, on va y aller avec un scénario satellite. Oui, on ne veut pas installer un proxy. L'organisation principale, on va changer ça, on va l'appeler, je vais l'appeler MLC. D'où ça sort MLC? Juste pour vous dire, j'ai dans le passé, j'ai eu ma compagnie de consultation. En fait, j'étais consultant. Donc, et j'avais identifié tout MLC, là, Michael Lessard consultant. C'est de là ça sort. J'ai gardé ça. Maintenant, je l'ai plus. Je me suis. J'ai tout arrêté ces activités-là. Location, je vais aller mettre. Je suis à Québec, donc je vais rajouter Québec ici. Le mot de passe, on va changer ça pour un mot de passe hyper sécurisé. En fait, ça, je vais le mettre à True. Proxy, je vais le mettre à True. Et Discovery, Format Plugin Discovery, que je trouve génial en passant. Cette capacité-là qui permet en fait de provisionner une nouvelle machine physique ou virtuelle qui vient d'être démarrée. Donc ça, je trouve ça intéressant. Sinon, je vais aller voir ce que je faisais dans le passé. Je vais juste corréler un petit peu pour être sûr qu'il ne manque rien. Je vous montre ça dans quelques instants. En fait, c'est mes notes brutes d'installation du satellite 6.2. Attendez un petit peu. C'est avant ça, je l'ai passé. Ok, c'est ici. Je veux juste voir si on n'oublie rien ici. Ouais, les paramètres DNS sont pas mis. Je vais voir. Je sais pas, Eric, je sais pas si tu es encore là. Ou si Sébastien, vous êtes là. Quand on installe Satellite 6, est-ce qu'on a besoin encore de configurer le DHCP? Parce que, écoutez ça, cette documentation-là traîne depuis 6.0. Ou est-ce que ça se fait par défaut? Regardez ce que je vais faire là. On va suivre la doc. Puis au pire, on corrigera par la suite. L'installation ici, l'installateur, sûrement pas changé, basé sur Puppet. Donc c'est facile de relancer pour corriger par la suite. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais y aller. On va suivre vraiment step by step ce que la doc nous donne. Puis on verra où ça va nous emmener. Je vais aller voir si. Non, ça c'est bon. Donc, je vais retourner dans mon éditeur. L'éditeur qui est ici. On va copier ça. On va coller ça ici. Et on va y aller. Donc, ça aussi, ça va être une étape qui va sûrement prendre quelques minutes. Je vais. Est-ce que ça travaille? Juste aller voir cette activité. Parce que oui. Donc c'est parti. Donc, comme j'expliquais, là, c'est basé sur Puppet. Ce qu'on voit, c'est du debug Puppet qui passe. Donc, on va laisser faire l'installation. On va aller continuer à discuter de satellite pendant que l'installation est démarrée. Donc, à date, ça n'a pas été encore très, très, très compliqué ce qu'on a fait. OK. Intégration avec Insight. Super le fun. Ce qu'on fait avec Insight, je l'ai parlé dans des épisodes précédents. Insight, on met énormément d'efforts. Ce qui s'en vient de très cool avec Insight, c'est l'intégration, en fait, l'ajout d'un AI dans Insight pour aider à améliorer encore les recommandations qui vont être faites. Très cool ce qui s'en vient à ce niveau-là. Et il y a une intégration qui se fait avec Satellite. Qu'est-ce qu'on a fait comme nouveauté? New widget. Donc, un nouveau widget pour
nous afficher en fait ce qui se passe, les recommandations d'Insight. On regardera ça ensemble un petit peu plus tard. Et on a un planner qui permet de construire en fait les Ansible Playbooks basés sur les recommandations que Insight nous fait. Donc on a fait cette intégration avec Satellite. Super. Quoi d'autre? New Org Admin Role, oui, lorsqu'on dans le contexte d'une organisation qui a déployé Satellite et géré plusieurs sous-compagnies ou plusieurs organisations, on a maintenant le rôle, si vous voulez, master. Attends, je suis en train de lire qu'est-ce que ça dit là. OK. Donc, c'est quelqu'un qui a visibilité, no visibility into other organization. OK. No exposure to the existence of other organization. The org admin role cannot access existing satellite user who already assigned other alternative organization. OK. Un rôle de plus, en fait, qui va permettre de faire une gestion multi-tenant peut-être un petit peu plus diversifiée. On peut dire ça comme ça. OpenSCAP. J'en ai parlé dans une émission précédente. Je vous ai montré qu'on pouvait, je crois que je vous ai montré, oui, je pense que oui, qu'on peut éditer un fichier OpenSCAP, puis générer enfin un nouveau test OpenSCAP. Ce concept-là s'appelle le tailoring. OpenSCAP, c'était pas supporté dans 6.2 et moins. Donc avec 6.3, c'est maintenant possible d'éditer des fichiers OpenSCAP et sortir la différence. En fait, c'est un fichier qui fait la différence de ce que vous avez retiré et l'applique à la policy OpenSCAP que vous avez choisi. Donc ça, c'était très demandé aussi. Quoi d'autre? Oui, Notification Drawer, ça c'est nouveau. C'est une petite icône en haut à droite. Je l'ai vu à l'œuvre. Une petite icône qu'on a, entre autres aussi dans CloudFormation. Donc à chaque fois qu'il se passe quelque chose, une machine qui s'est bien provisionnée ou moins bien provisionnée, on a une petite notification tout simplement. En fait, il y a beaucoup de tâches qu'on peut lancer. Puis pour aller voir le résultat, il faut aller dans les bonnes fenêtres avec cette icône-là. Ben, on a le résultat en haut à droite. À chaque fois qu'une tâche qui est complétée, en fait, on a une petite notification avec le résultat. Donc ça peut être le fun. Donc ça va être ce qu'on dit, c'est qu'il va y avoir plus d'événements qui vont être ajoutés éventuellement. Future Data Subscription. Donc, éviter qu'il y ait des machines qui se retrouvent sans abonnement. En fait, vous pouvez acheter des souscriptions à l'avance. Donc, vous savez qu'il y a quelque chose qui expire le 1er septembre. Ben, vous faites l'acquisition le premier. Vous faites l'acquisition de ces licences-là qui vont être activées le 1er septembre, mais vous le faites avant. Donc, pour éviter de vous retrouver dans une situation qui manque des solutions, voyons, qui manque des abonnements. Donc ça a été ajouté dans Satellite. On le ferait dans le portail, mais on ne le ferait pas encore dans Satellite. Maintenant, c'est offert dans le portail. Satellite Clone, super important ici, ça, cette capacité-là. D'ailleurs, quand je parlais de backup tantôt, là, je pense que c'est M. Dapisset qui posait la question. Si on veut faire un bon backup, je pense que si on fait un backup complet de Satellite, puis on a besoin, pour X raisons, de repartir Satellite sur un autre site parce qu'il y a eu un crash du site principal. Satellite Clone ici va permettre de cloner un serveur Satellite puis le changer de nom, si je ne me trompe pas. Provide a means for customers to clone their Red Hat Satellites with server migration, auto-upgrade for one version. Ouais. Donc c'est pour oui, c'est ça. En fait, c'est pour en fait répliquer un serveur Satellite à un autre endroit et lui donner possiblement un autre nom. Ce qu'on dit ici, ça peut faciliter la migration d'un serveur satellite vers un autre. Donc, un outil qui était sur GitHub, je l'avais déjà présenté, pas dans mes émissions, mais dans des, je pense, dans un Red Hat User Group. Maintenant, le script a été intégré dans Satellite et est pleinement supporté. Vert OO, ça, j'ai pas essayé. C'est difficile pour moi d'essayer tout ce qui s'accroche à Vertu parce que Vertu requiert un abonnement VDC, Virtual Data Center, et de mon côté, je n'ai pas d'abonnement Virtual Data Center. En tant qu'employé, on est limité avec des abonnements REL standard, donc qui sont par CPU, par socket. Donc, ce sera à voir comment je pourrais tester ça, mais ce serait bien. Vertu, c'est souvent
le premier step, les premières difficultés qu'on rencontre lorsqu'on travaille avec Satellite, cette configuration-là de Virtu. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a, de ce que je comprends, on a un petit wizard maintenant qui va vous aider à créer vos fichiers de configuration Virtu à l'intérieur de Satellite. Sinon, oui, le blog ici. Recommandations, ceux qui sont à Satellite 5, 31 janvier 2019. Donc, pour 5-7, 5-8, ça va au mai 2020. Attendez pas si vous êtes en Satellite 5 ces dates-là, s'il vous plaît. Le gros du développement des satellites se fait en ce moment dans le 6. Le 5, on est hyper au ralenti. Et je commence à avoir des clients qui m'appellent. Hey, je suis en Satellite 5, puis ah, je serai pas là, j'ai pas accès. Il manque des paquetages ici. On voit qu'on commence. C'est sûr qu'on supporte pleinement Satellite 5 encore, là, mais on voit qu'il commence à manquer d'amour. Donc, attendez pas à ces dates-là pour passer Satellite 6. Satellite 6.3, le but numéro 1 de Satellite 6.3, c'était vraiment. On n'a pas mis beaucoup de fonctionnalités, ce que vous pouvez voir. Ce n'est pas des grosses fonctionnalités qui ont été rajoutées. Il y a un gros focus qui s'est fait au niveau des Bugzilla. Énormément de choses qui ont été corrigées. Puis aussi, ce qui est super, ce que j'ai vu, ce que j'ai pu tester avec 6.3.1, avec la version qu'on installe en ce moment, la rapidité maintenant de publier un Content View, c'est phénoménal. Ben pas phénoménal, mais dans un sens, c'est beaucoup plus rapide. Donc, pour ceux qui utilisent déjà Satellite 6, lorsque c'est temps de créer des Content View, puis faire la promotion des Content View, vous allez le voir, pour ceux qui ne connaissent pas, un petit peu plus tard, soit aujourd'hui ou une autre journée. Cette étape-là, c'était long. Avec 6.3.1, il y a eu une grosse, grosse amélioration. Je pense qu'on a facilement presque doublé la rapidité d'exécution. Tepsed, tu demandes Tech Preview pour. Excuse-moi, j'ai manqué ton. Ok, tu poses la question, c'est quoi Tech Preview? Merci Eric pour la réponse. Donc, quoi d'autre sur Satellite 6 que je voulais vous dire? 6.3.1. Oui, Satellite 5, attendez pas à passer à ces dates-là. Je pense qu'on est bon à ce niveau-là pour Satellite 6. On est rendu à 70%, je peux vous montrer où on est rendu. Ça semble être capé là depuis quelques minutes. On va aller voir s'il n'y a rien de mort. En fait, dans la recommandation des prérequis, et c'est tranquille ici. Hein. Vous allez voir. Ça travaille. C'est Rake qui travaille. Donc, il y a de l'activité encore. Fait qu'on va le laisser travailler. Il est à 70. Ça va peut-être décoller à un moment donné. Sorte que dans la recommandation pour installer Satellite 6, on parlait de 20 Go de RAM. Là, j'ai mis 8 Go. J'espère que c'est pas ça qui me bloque. Parce que sinon, on ne pourra pas compléter. Bref, on va le laisser travailler. Quoi d'autre sur Satellite 6 que je pourrais passer? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions qui sont encore en ligne? Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde, là, mais on a encore 5 personnes en ligne. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur Satellite? Ah oui, je voulais vous montrer le blog de Satellite. Blog qui est très actif, qui est très bien. Beaucoup d'articles qui se retrouvent là régulièrement. Donc, Satellite 2.15 qui est sorti. Qu'est-ce qu'on a d'autre? End of life de Satellite 5. Donc, plusieurs articles là, assez régulièrement, là, qui sortent assez régulièrement sur le blog. Donc, je vous invite à aller mettre ça dans vos favoris si vous aimez Satellite, puis suivre qu'est-ce qui se passe. Moi, est-ce que je. Ouais, c'est ça, je le suis, mais j'ai pas les notifications. Je sais pas pourquoi j'ai pas les notifications. Peut-être parce que je suis employé. Ouais. Bref. Donc, question. Provisionnement pour d'autres OS que Red Hat dans Satellite, pas supporté, mais est-ce assez fonctionnel pour l'utilisation SLES 12, entre autres? Écoute, ce que je peux te dire d'épisode sur ça, au Summit, je suis allé voir une présentation de Walmart. J'en ai parlé la semaine dernière, ou la dernière émission, ou deux émissions.
Je pense que c'est la semaine dernière, pas la semaine dernière, la dernière émission. J'allais voir la présentation de Walmart. Walmart est le plus gros client satellite au monde. 60 000 systèmes gérés avec satellite. Et plus de la moitié de ces machines-là sont du SUSE Linux. Vous allez dire, oui, ils ne sont pas supportés. Dans le cas de Walmart, à la grosseur que ça a, on a fait un support d'exception pour eux. Par contre, on a eu un commitment de leur part qu'éventuellement, ils vont migrer ces SUSE Linux-là vers elle. Fait que c'est le prérequis aujourd'hui, là, si vous voulez être supporté avec SUSE dans Satellite. De un, je pense qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de machines. On ne le fait pas pour 10 machines, là. Ça prend une certaine envergure. Puis deux, un commitment de votre part qu'éventuellement ces machines-là vont devenir du réel. Parce qu'on n'a pas d'entente encore officiellement avec Novell. Ben Novell, avec SUSE, excusez, c'est plus Novell que ça, pour avoir du support conjoint à ce niveau-là. C'est là qu'il ne faut pas se faire avoir, là, parce que si vous avez des problèmes dans SUSE, puis c'est à cause de satellite, ou vice-versa, des problèmes dans satellite à cause de SUSE, il faut être capable de communiquer avec le manufacturier, d'échanger, de travailler ensemble. Puis on n'a pas cette relation encore là avec eux. Mais comme SUSE est basé sur un système RPM comme satellite, techniquement, il n'y a pas de problème. Même chose pour CentOS. Mais il faut faire attention, là. Satellite, lorsque vous lancez des instances, ça prend les abonnements. Fait que si vous branchez du SLES, il faut juste s'assurer que le host physique sur lequel SLES est lancé, ou CentOS, ait l'abonnement data center idéalement. Donc, mais techniquement, je vous dirais, pas de problème. Catalo, si on regarde ce qui se fait dans la communauté de Catalo, on peut aller voir, tiens. Je vais juste voir où je suis rendu ici. Catalo. On va juste aller voir pour le fun. Je passe pas beaucoup de temps dans les projets communautaires des produits Red Hat, tout simplement parce que j'ai pas le temps. Je suis amplement occupé avec les 40 produits chez Red Hat. Donc j'aimerais ça passer plus de temps dans les communautés puis m'investir. Donc Catalo, je ne le connais pas beaucoup, je ne l'ai jamais installé. C'est difficile pour moi de comparer. Je sais que c'est pas mal moins intégré que Satellite. Mais ça, on va voir très rapidement peut-être. Et je vais juste ouvrir ma fenêtre. OK, c'est bonne nouvelle. On a progressé dans l'installation de Satellite. On est à 73 %. Donc, c'est bien. Donc, si on va voir peut-être. Je regarde les clients. Est-ce qu'il y a une place qu'on peut voir? Voyez-vous, REL. Ça semble être très REL et Fedora pour l'instant. Donc, je ne vois pas de SUSE. Ça va être de compiler le client probablement pour SUSE. Catalo SUSE. Agent. Donc, il ne semble pas exister d'agent pour SLES, à moins que d'épicette, vous avez trouvé quelque chose à votre bord, mais. Non. En fait, je reviens. On peut continuer en regardant, on a du temps. On est à 73 %. Si je regarde dans le Quick Start, introduction ici. Hein. De Forman, on installe tout ça, mais probablement pas Catello. Là, je suis dans Forman. Pourquoi je suis dans Forman? J'étais dans Catello tantôt. Ok, on va retourner sur Catello. Ok, parce que c'est un plugin pour Forman maintenant. Okay. Donc, Quick Start. Ok, supported platform ici. Donc, on a CentOS, Oracle, Debian, Red Hat et Ubuntu. Mais encore une fois, ça semble plus d'être propre à Forman. Bref, je ne pourrais pas vous dire pour l'agent SEO. J'ai pas de client, là, mais j'ai pas de client qui utilise SEO. J'en ai pas. C'est pas la première fois que j'ai la question d'Epicet. Je l'ai eu. Je ne sais pas pour quel organisme tu travailles, là, mais je l'ai eu d'un ministère et d'une industrie, pas une industrie, mais d'une organisation, pas un ministère, bref, mais qui est au gouvernement, là, sans la nommer.
Mais c'est ça, on l'a offert à Walmart, chez Walmart. On offre le support, mais c'est sûr qu'ils ont un gros environnement, là, donc c'est plus justifiable. Mais comme on n'a pas de cette relation de support avec, avec Sioux, c'est difficile pour nous là, de donner une qualité d'assurance là-dessus. C'est ce qui nous freine, mais c'est ce qui nous freine dans pratiquement tous les autres produits qu'on essaye d'offrir de l'intégration. Donc, vous prenez Rev, l'outil de virtualisation, par exemple. On a cette. Cette limitation-là aussi, ça prend une relation avec le manufacturier. Il faut que le manufacturier de la distribution Linux soit prêt à collaborer s'il y a des pépins. C'est souvent ça qui freine. Puis écoutez, mettre ça en place, là, ça a l'air peut-être très simple de dire ah, on a une relation, on va s'aider, mais il y a tout un des processus à mettre en place. Il y a des lignes d'intervention. Donc, il y a du temps, il y a du coût, des product managers impliqués. Donc, c'est pas tous les distributions Linux qui ont les moyens financiers peut-être d'offrir ça. Donc, Sioux Manager support Rel, effectivement, du côté Sioux, ce qu'il faut savoir d'Epicède sur ça, c'est que on a Red Hat a la part des marchés, Red Hat Enterprise Linux, on parle de 70-75% de part des marchés. Du côté Sioux, on parle peut-être d'une vingtaine de pourcents. Sioux est vraiment après nous pour aller chercher un pourcentage de ces serveurs-là, REL aussi. Donc, eux vont peut-être passer par-dessus la qualité assurance des fois pour en offrir un peu plus pour attirer les gens. Donc, c'est comme ça que je le vois. En fait, j'ai été de l'autre côté. Là, j'ai travaillé quelques années chez Novell à l'époque pour l'équipe Sioux. Et je peux vous dire qu'à l'époque, la part de marché était encore plus petite et vraiment, on grattait très fort là, pour aller chercher les parts de marché de Red Hat. Donc, je te dirais, je ne sais pas si tu l'as essayé avec Sioux Manager, si ça fonctionne bien. Et si, c'est quoi la qualité du support que vous recevez du côté Sioux à ce niveau-là? Je serais curieux. Si jamais tu as l'information, tu veux la partager avec moi, là, ça serait super. J'aimerais. Entendre. Bonne nouvelle en parlant, on vient de terminer l'installation de satellites, mon doux, ça s'est super bien passé, aucune erreur. Donc, on a fait ça hyper simple. On peut pas dire que c'était une installation très complexe. On va voir ce que ça donne dans l'interface. On va se brancher ici. De un, ce que je vais faire par contre avec vous, je vais pour s'aider dans mon fichier host. Local, je vais rajouter ce nouveau serveur-là. OK, donc en fait, je vais juste renommer celui-là ici parce qu'il n'existe pas. Il n'existe plus. Je ne dois juste pas être capable d'aller chercher avec son nom. Oups. OK. Donc, allons voir. Je vais fermer quelques fenêtres, là. On a ce syndrome-là d'ouvrir des multitudes de tabs. Je vais tout fermer ça. Ça, on va le garder. Ça, je vais fermer ça. On va fermer une couple de tabs. OK. Donc, satellite 6.mlc. Random. Ah, ça, c'est Google qui j'ai pas pris mon satellite. Ça commence bien. Quel est le problème? Est-ce que je me suis trompé dans l'adresse IP? On va juste valider 100-230. Je serais validé ici 100-230. Je me demande si c'est pas. Si c'est pas. Ouais, je vois c'est par IP, mais. Ça devrait marcher avec. Ça devrait marcher avec ça, pareil. OK. Je pense que. On va regarder s'il y a un petit firewall là-dessus. C'est peut-être le firewall qui n'est pas ouvert. Effectivement, petit problème de firewall ici. Donc,
Je me souviens jamais de la commande. Add port par cœur. Vive Google. On se crée un petit playbook qui va faire ça. Donc, je crois que j'ai pas besoin de spécifier la zone. C'est elle qui est active. Je vais mettre permanent. Je vais ajouter le port 80. Est-ce que la syntaxe aurait changé? Ah, c'est parce qu'il y a un point, je pense. Ouais, effectivement. Et on va ouvrir la porte 443. En TCP. Puis je vais faire un firewall très important. Reload. Et on va. Donc, j'ai 80443. .6.mlc. Et voilà, ça fonctionne. Firewall. Donc, j'ai mon satellite 6.3.1 quand même installé en quelques minutes. Pas dire que ça a pris. Je pensais que ça allait être plus long. On n'est même pas rendu à l'heure en ce moment. Donc, on est connecté. Tout semble beau. Super. Première étape dans cette lettre, on va aller dans la doc pour suivre ce qui se passe. D'ici là, je regarde, on est 5-6 personnes qui regardent. Super, on a de plus en plus de monde. On va continuer avec la doc. Ça peut être intéressant. Effectivement, configurer la ligne de commande pour interagir avec, avec cette lettre. Donc, on va le faire. Je vais le faire direct. Sur mon serveur satellite qui est ici, en route direct. On n'y est pas, on travaille pas, on n'est pas dans de la prod, on est dans la démo. Excusez. Oh, il existe déjà. On va aller voir ce qui est mis à l'intérieur. OK. On va aller faire ce qu'il nous indique ici. Je vais se donner une chance là. Ça, c'est bon. Et on va aller rentrer cette information-là ici. Copier. Oups. Je me suis trompé. Donc, nous, on est sur satellite 6, msc.dom. On va mettre admin et on va mettre le mot de passe super secure que j'ai mis. Donc, on va voir. Je devine qu'ils nous font tester ça ici. Absolument. On va essayer ça ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Oups. Ouais, ça, je peux pas éditer. Ah, c'est pas bon. C'est pas bon. On va utiliser notre ami Visual Studio Code ici. On va faire des petits changements. Question ID. Je crois que j'avais mis Québec. Et j'avais mis MLC ici. On va copier ça, tout simplement. Et envoyer ça ici. Donc ça va valider Hammer. Hammer fonctionne bien, je devine. Oui. Donc ça fonctionne bien. Connexion avec Hammer. On a la ligne de commande pour accéder à cette élite. Super. Maintenant, on va passer à l'étape d'aller chercher les abonnements du portail et les incorporer. Ça, c'est la première étape, là. Incorporer ça dans cette élite. Donc, yes. Donc, au niveau du portail, est-ce que je l'avais ouvert? Donc, on va aller au volet. En fait, c'est ça. Ce qu'il faut faire, ça, c'est une étape aussi qui. Les premières fois, on ne sait pas trop où aller. C'est documenté, mais je dirais qu'avec l'habitude, on devient meilleur. Donc, les premières fois, c'est un petit peu plus difficile.
Donc, je vais aller au niveau système ici, voir mon satellite 6 que je viens de créer. Le satellite 6 a été enregistré sur le portail. Donc, on va aller le voir. J'en ai plusieurs. Je vais taper satellite ici, satellite 6. OK. Et oh, s'il y a déjà des mises à jour de disponibles. Qu'est-ce que je voulais faire? Non, c'est pas la pantoute. Donc, bref, on va voir. Je voulais voir la section satellite. Je dirais que ça va changer de place. Donc, dans souscription. Le portail change souvent de place. Donc, ici, j'en ai un. Le portail, pas qu'il change de place, mais le portail évolue. Beaucoup de les menus changent régulièrement. Des fois, c'est dur à suivre. Donc, il y a 100% des abonnés, ce qui est impossible parce que je n'avais pas. Fait qu'il a sûrement gardé l'ancien système qui est là. Ah non, OK. Il est enregistré satellite, c'est bon. Donc, je me cherche un petit peu, là. Désolé, je ne le fais pas sur une base régulière. OK, donc c'est ceux-là. Donc, ce qu'on va faire, ces deux-là ici, je vais les enlever. OK. On va faire une nouvelle. On va appeler Satellite 6. Donc, ce que je vais faire, c'est transférer des abonnements que j'ai sur le portail dans un certificat satellite. C'est la première étape qu'il faut faire. Donc, Satellite 6 ici. Je vais mettre un S majuscule. Je vais faire créer. Et je vais aller chercher les abonnements que je vais mettre à l'intérieur. Je vais ajouter des abonnements. Là, qu'est-ce qu'on a comme abonnement? Effectivement, j'ai un petit pépin en ce moment. Je vous montre c'est quoi mon pépin. Et j'ai découvert ça ce matin. Si vous regardez mes abonnements, regardez ceux qui ont expiré. J'ai celle que j'ai besoin qui a expiré avant-hier. Donc, j'ai plus accès à ce que j'ai besoin. J'ai demandé un renouvellement, mais bien sûr, je ne l'aurai pas avant quelques heures. Donc, qu'est-ce que je peux faire si je veux essayer de faire fonctionner ce satellite? Je vais retourner ici. Ce que je vais faire, je vais vous montrer un petit truc sur mon satellite. Inscription manager list moins moins disponible. Je vais lui demander qu'il m'affiche qu'est-ce qui est disponible comme abonnement. J'aurais pas à faire ça si j'avais c'est quoi là, comment je l'écris pas comme faut. Oups, ce 3. On va afficher ce que j'ai disponible. Là, j'en cherche une qui a un REL dedans. Est-ce que j'en ai? Si j'en ai. OK. C'est celle-là qui vient avec un REL ici. J'en ai 10 de disponibles. C'était pour ma démo sur Azure d'OpenShift que j'ai terminé avec cette démonstration-là. Donc, je pourrais utiliser ça en attendant, juste pour faire fonctionner cette élite. Alors, c'est ce qu'on va faire le temps que je reçoive mon abonnement employé. Donc, je vais envoyer, j'en ai 10. Je vais en envoyer. Je vais en envoyer 5. 5 que j'envoie dans ce pour satellite. OK. Donc j'en ai 5. Ce qu'il me reste à faire, c'est maintenant aller chercher le manifeste. Donc je l'exporte. OK, ça va me permettre de prendre ces 5 abonnements-là et les envoyer dans satellite. Donc desktop. On va envoyer ça ici. Donc je m'en vais dans satellite. Première étape, on va aller côté des abonnements Red Hat ici. On va aller sélectionner l'organisation. Ce que je viens de voir.
On va se mettre sur Québec aussi. OK, il n'y a pas de souscription. On va aller chercher le manifeste. Donc, le manifeste qui se retrouve sur mon bureau juste ici. Et on va l'uploader. Ça ne devrait pas trop être long. Et je pense que pour aujourd'hui, je vois que l'heure est avancée à 2 heures. On va s'arrêter là. Je vais compléter ça. Là, vous pouvez rester quelques minutes. Je complète ça. Je vais partir la synchronisation. Quoi qu'on voulait essayer dans un domaine. Non, je ne partirai pas la synchronisation. Je vais attendre dans un domaine. Allons voir ce qu'on peut. Si on peut en faire encore quelques minutes. Donc, ça a été accepté. À partir de ce moment-là, je peux aller voir les repos auxquels j'ai accès. Donc, je suis limité un petit peu, là, je n'ai pas mon abonnement. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est celui-là ici. C'est le premier repo que je vais aller chercher. Donc, IRL 7RPM. Donc, je veux aller chercher ça ici. Souvent, je me fais poser la question, c'est quoi la différence entre ça et ça ici? Pourquoi je ne sélectionnerai pas chacun des versions? Ici, c'est ça va avec l'abonnement, un abonnement spécial à l'add-on qui s'appelle le RHEL Extended Update Support qui permet de rester plus longtemps sur une version mineure. Donc, c'est ce qu'on appelle les Z-Stream Channel. Donc, à moins que vous êtes abonné à ce service-là, que vous avez des machines, que vous voulez conserver une version vraiment spécifique, vous cochez. Sinon, ici, vous allez voir toutes les versions de 7.0, 7.5 qui vont être téléchargées. Donc, ce que j'ai besoin d'autres choses aussi. J'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin des tools 6.3. Et là, est-ce qu'on va mettre Puppet 4? On va commencer par. Wow! Ça, par exemple, c'est une bonne question. Allons voir dans la doc où on est rendu. Ça a été fait. Ça a été fait. Ça a été fait. Ça aussi. Bon, voyez-vous, on le fait en ligne de commande dans la documentation, mais je l'ai fait avec l'interface. OK, ça, je ne l'ai pas fait. Ça, par contre, on va peut-être devoir avoir à faire ça ici. Créer les sous-réseaux, effectivement, pour le provisioning. OK, je vais juste voir ce qui m'a. Au niveau des abonnements, ce qu'on nous indique. Et ça prend les Kickstart, ça prend les tools. Donc, c'est ce que je pensais. Donc, on va revenir. Ça, c'est important à faire, on va en avoir besoin pour le provisioning. Donc, je vais le faire, je vais peut-être le faire en ligne de commande, tiens, pour essayer un petit peu plus la ligne de commande. Mais avant de faire ça, je vais venir sur mon serveur satellite. Je vais aller sélectionner les tools qu'il y a ici. Et on ne partira pas la synchronisation. On va juste sélectionner ce qu'on a besoin. Et l'autre, c'était les Kickstart qu'on a besoin. Donc, ils vont permettre de faire du provisioning. Donc, je ne suis pas intéressé là, à aller chercher les Kickstart des versions précédentes. Là, je vais vraiment travailler. Vu que c'est de la démo, je vais travailler avec la dernière, tout simplement la dernière release des Kickstart. Donc, si je m'en viens dans. Sync status. Oups, j'ai pas pesé sur le bon. Sync status. Donc, j'ai ce qu'il faut. J'ai les tools, j'ai les serveurs et j'ai les kickstart. Ça n'a pas été synchronisé encore. Donc, je vais laisser ça comme ça pour l'instant. On va aller faire les petites étapes qu'il y a ici, maintenant. Et je vais finir avec ça pour aujourd'hui parce que je vois qu'Eric a quitté. Et j'ai d'autres meetings de planifier moi aussi cet après-midi. Et je vois que les courriels rentrent aussi. Donc on va juste venir ici, encore une fois. Le domaine, on va l'appeler mlc.dom. Domaine. Location. Québec. Organisation MLC. Donc, on va aller copier ça ici et le paster. Voir ce que ça donne.
Oh. Ok. Petite erreur dans la documentation. In the DNS ID of Sanctuary, which is the ID of the satellite server integrated capsule. Ok, je vais essayer de le faire dans l'interface ici, dans ce cas-là. Domaine qui est juste ici. Create domaine. MLC.dom. Michael, domaine. Paramètres. Location. Organisation. On va faire soumettre. Petite problématique ici, là. Ça fait longtemps que j'ai joué avec cette configuration-là. Donc, je vais faire juste Any Organization ici. Any Location. Ah, c'est ça, c'est parce qu'il est déjà pris. Donc, c'est peut-être pour ça que j'avais une erreur tantôt. Si je l'emmène comme ça, je l'emmène comme ça, je pense qu'on va être, on va être correct. Donc, effectivement, on le voit ici. Donc, petit ajustement manuel que j'ai dû faire ici. OK. Blablabla. Ça, on le fait. Configurer le réseau, mais le sous-réseau maintenant. Donc, dans ce sous-réseau qui est ici, create subnet. Pour le nom. Provisioning network address. 192, 168, on est sur le 100.0. 24. Faites attention ici, là, je pense que par défaut, il met 32. C'est drôle, le taux complet. Ce que Chrome me trouve comme gateway adresse ici. Donc, ça va être 168, 100.1. Même chose pour ça ici. IPAM, j'en ai pas. VLAN, j'en ai pas. Bootmode, DHCP. Je pense que j'ai pas besoin d'autre chose. Donc on va soumettre. On va rééditer. Dans le domaine, je vais ajouter ça. Ici pour faire le lien entre le domaine et le sous-réseau. Alors, c'est ce qui nous indiquait dans la documentation. C'est bon pour ça. Donc, on est correct. Donc, la configuration est faite au niveau réseau, au niveau provisioning. Donc, je suis rendu au contenu. Et ce que je vais faire, je vais arrêter pour cette semaine et je vais reprendre en fait la configuration probablement avant dans 2 semaines, parce que en fait, avant le prochain épisode, pardon, parce que j'ai besoin de cet environnement-là pour des démonstrations. Je n'ai pas de démo prévue dans les prochains jours. Mais ça peut arriver vite. Donc, possible que la semaine prochaine ou la semaine suivante, que vous me voyez apparaître sur Twitch pour terminer de configurer Satellite, puisque je vais en avoir besoin. Puis, je tiens à le faire avec vous. Je sais qu'il y en a qui suivent ça et qui vont sûrement répéter ce que je fais. Donc, on va continuer prochainement. Donc, c'est bon. Fait que, possible d'avoir une présentation future sur Red Hat Insight. Absolument, d'épisode. Encore une fois, je ne sais pas si tu as répondu à ma question de tantôt. Je ne sais pas pour quelle organisation que tu travailles, mais envoie-moi un courriel, puis on peut définitivement organiser une présentation sur Red Hat Insight. D'ailleurs, Eric qui a quitté, Eric a fait une présentation au Rogue de Montréal et de Québec la dernière fois sur Red Hat Access Insight. Donc, on pourrait aller la faire définitivement dans votre entreprise. Super, beau produit. Je suis certain que vous allez adorer. Et je compte l'intégrer avec Satellite dans la prochaine vidéo, là, faire l'intégration pour montrer comment ça fonctionne un petit peu. Oui, tu peux m'écrire par courriel sans problème. Donc, sur ça, messieurs et madame, mesdames, je ne sais pas si on a des mesdames avec nous. Habituellement, on est un public assez masculin. Merci de m'avoir écouté cette semaine. Ça a été un petit peu plus long. On a défoncé presque d'1 heure, mais je m'en doutais là, avec l'installation de Satellite.
Et on se reprend. Attends un petit peu. En fait, ce que je vais faire, vais passer en plein écran pour terminer. Donc, on se reprend, comme je vous dis, dans les prochaines journées. Je vais refaire une session, une séance Twitch pour en fait compléter la configuration de satellite. Et il va y avoir une émission dans 2 semaines avec probablement d'autres sujets. Et c'est peut-être la dernière avant les vacances. Donc, encore une fois, bonne fin de semaine. Amusez-vous, il annonce beau, allez dehors. Puis on s'en reparle très prochainement. Merci. Bye bye.